TM Music, c'est la production, le management et la distribution musicale. Écoutez donc, alors moi je viens vous raconter mon histoire dans le passé. Comment ça avait même commencé, comment ça avait débuté, comment ça avait terminé. Écoutez donc, alors moi je suis même émotionné. Maman est partie très tôt, puis papa tiré dans l'alcool. Je suis donc devenu un orphelin, le volé m'a récupéré pour ne pas t'y adopter. Nous avons vraiment fait tout ce qui est en notre pouvoir. Non! Il y a quoi que tu m'embêtes le matin avec tes bonjours? Papa, il voulait te dire qu'il parle déjà. Et puis j'ai dansé. Dis donc, pas, dégage. Mon argent est fini, papa. Son argent est fini. Et ton argent est fini, et puis quoi? Si tu es incapable de gérer ton argent des semaines qu'on te donne, tu viens déranger les gens le grand matin. Dégage devant moi, idiot. Je vais leur faire comment, papa? Je vais leur faire comment? Dégage! Avant que mon mère te dégage! Parce qu'il y a des trous dans cette maison. Je te demande de dégager. Il y a encore quoi ici? Vous embêtez les gens en plein 6 heures. Ce n'est pas ton idiot de faire ici. Je veux seulement l'argent de classe, mais même pas. Il en est incapable. S'il s'agissait de la boisson et des femmes, vous allez directement trouver de la. Tu dis que quoi? Répète encore! Ouais, pas, calme-toi. Je vais te dégager. Toi aussi, arrête ça. Attends-moi ici, je mets mes chaussures, on y va. Pardon, attends-moi. Tu me sers à quoi? Allons-y. Hugo, tu as touché à mon sac. Ok. Non. Je ne veux pas. Je ne veux pas de ça. Tu veux dire que mon argent s'est volatilisé seul? Je veux mon argent. Tu as seulement gagné au PMUC. Non, voisin, le Saint-Esprit m'a visité aujourd'hui. Mamie, je t'en prépare mes biens. C'est le champagne du pays. Ok. Voisin, ok. Voisin, il faut que je parle m'échanger pour Mamie Jaka. Il n'y a alors rien pour moi. Ah, ou toi? Aujourd'hui, on m'appelle Papa Bonheur. Attends. Je veux quand même trouver quelque chose. Voisin, c'est toi voisin, aussi. Voisin, le Saint-Esprit m'a visité. Je suis riche. Mon voisin est riche. Je suis riche. Boulé va arriver, on ne peut plus s'arrêter. On va avancer, on va se continuer. Boulé va arriver.
femme ici là. Non, grand. Tu t'appelles comment? Hugo, grand. Nous, c'est le Magellan 237. Je t'ai vu, tu connais le bolé. Pas vraiment, grand. Je t'ai vu tout à l'heure, tu regardes dans le que le bolé pointait. J'apprécie beaucoup au rythme. Petit, laisse-nous t'aider de bench là. Parlons, ya. Hé, hey, amour, les gars. Et tu voulais qu'on te puge seulement avant que tu donnes ça. Oh, petit, moi non. Tu filais le talent à distance. Même Babylone comme ça. Pouvoir. Tu vois, bro. Il semble que tu peux faire dans le volet. Ça te dit de faire dans le volet. Ah, ouais, grand. Ok. Bon, donc on va dans l'œil, c'est à 20h. Ça te dit? D'accord, grand. Ok. Phil, n'oublie surtout pas, hein. Il t'attend. Okay. Marche vite. Ok. Jaka! Mami Jaka! Jaka! Mami Jaka! Mami Jaka! Ton mari est riche! Tu vois non? Je suis très riche aujourd'hui. Pauvre. Toi encore. J'ai encore fait quoi? J'espère que tu n'es pas venu boire à crédit. Hey! Tu me dois même déjà 15 000 francs. Cette mère veut déjà me baisser le charisme. Attends. J'ai fouillé bien. Hein. Voilà. Voilà 20 000. Ça va? Ça va. Pour voilà, c'est moi le champagne du pays. Aujourd'hui, on m'appelle Dangote, le nouveau riche. Donc fais aussi une tournée à tout le monde. C'est moi qui te fais. Merci. Mami Jaka. C'est là. À la santé, à la santé. À la santé du nouveau riche. À la santé de monsieur Dangote. C'est Dangote. À la santé d'Angote. Ah, Mami Jaka. Merci, merci. Tu vois pourquoi le mariage est bon? Ça, c'est le champagne du pays. Avec tous les ingrédients. Ma vie est beau. Mamie Jaka, je te disais l'autre jour que ne t'inquiète pas pour moi. Tout ce que je te dois, je te donne jusqu'à ajouter même le cadeau. Voilà. Confiance. C'est un Dangote qui vous parle, hein, Mami Jaka. Voilà. Oui, c'est Dangote qui parle là. Cobra, mon fidèle client. Cobra, tu veux encore? Ok, Mami Jaka, tu veux seulement étouffer l'enfant? Je peux te donner le crédit, tu sais que tu es mon client. J'ai fini d'abord ceci. Ok. Ensuite, tu ajoutes. D'accord, sans problème. Voilà. Et je vais aller de pair. Bref, tu as compris quelque chose du coup de maths. Ah, oh, les probabilités, gars. C'est un chapitre que j'aime beaucoup. Hein. Mais j'ai remarqué aujourd'hui que toi, là, tu n'étais pas dans ton assiette. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Man, je ne te dis pas. Mon père était encore zoné comme d'habitude. Ouais. Il a refusé le mec qui les dos d'éclate. Sans te mentir, j'ai bien faim. Et comme si cela ne suffisait pas, l'agent de ma soeur se fait. Elle m'accuse comme si c'était un voleur. Gars, ce sont les choses de la vie. Je ne sais pas ce que je vais te dire là maintenant. Ouais. Mais pour l'histoire de l'argent et ta soeur là, quelque chose me dit que ton père y est pour quelque chose. Parce que sa façon, la façon dont tu bois là. Comme tu dis la manne. Au fait, j'ai rencontré des gars qui veulent m'insérer dans un business. Là. Je pense que ça va me donner un peu le dos en attendant qu'au cas il a fait rétablir. Des gars. Tu les connais où? Moi, je n'approuve pas cette affaire. Cette histoire-là, j'espère que tu ne deals pas des gens. Hein. Man, les gars ont joué un bolé. C'était la guerre. Ils veulent que je les rejoigne à la veillée à côté de chez Tim. Ne me dis pas que tu veux déjà marcher avec les chambristes là. Toi aussi, les perdus. Tu as vu comment ils s'habillent. Regarde comment tu es présentable. Tu vas être associé avec eux. Mais non, là, tu me déçois, gars. La musique, non, man. La musique.
Et tu y vas à quelle heure? Vers 20h. Tu veux m'accompagner? Laisse-moi réfléchir. Je vais t'accompagner. Mais il faut quand même quelqu'un pour assurer ta sécurité. Parce que ces gars-là, je ne suis pas rassuré. Bon. On se prend à 20h ici. T'en dis 20h. Quel beau. Petit voisin. C'est comment? Ça va, voisin? Je suis juste fatigué. Je comprends, je vois. Y'a alors rien pour les pauvres? On ramasse l'argent pour la terre. Waouh! Alors que ton père était très lourd ce matin. Mon père? Lourd ce matin? Il avait les biais de Maringombe, les Tenten. En tout cas, bon défi, voisin. Et ma mène. Quitte devant moi. Et d'ailleurs, tu vas où étant habillé comme ça? Envoyer avec moi un sûr de moi de mal. Tu sais que je n'ai pas de livre. Je t'ai déjà dit que ton ami Prince ne l'aime pas. Tu n'es pas nu, pardon, tu ne bouges pas. Tu restes ici, donc, pousse dans ta chambre. S'il te plaît, papa, il doit y aller. Je ne veux rien entendre dans ta chambre. Sinon, le professeur va me mettre dehors de moi. Et c'est mon problème. Dans ta chambre. Passe-le. Tu veux que je te bouscule?